Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est, celle-là? Oubliez-moi, passez là-bas. Et c'est pour ça. Boulevard Voltaire, vous êtes classé plutôt à droite. Hein. Mais enfin, ça va pas! La République, c'est moi! Oh, quel hasard! Debout! Silence pour la France! Vous m'avez manqué! Quelle indignité! Première ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Et donc, on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. C'est ça ce qui s'est passé. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais... Donc cette diablerie. Marine Le Pen, quelle question vous lui poseriez? Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine? Ouf. Il n'y aurait plus. Oh là là. Soufflé. Mais vous êtes comme Tapie, vous êtes un ringard du Pont-Moretti. On se croirait dans les années 80 du Pont-Moretti. Moi, je vais pas vous c'est des arguments attaquer, bidons des années 80. C'est la seule moi, je... bien employé. Et par rapport au geste qu'il a eu sur votre fille, qu'est-ce que vous en pensez? Mais quelqu'un, quand il est nerveux et tout, c'est normal qu'il agit. Même moi, mon mari, quelquefois, s'il est nerveux, il peut me gifler. Tout le monde peut recevoir ça. Mais c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Allez, gars, ouais.